Voilà. Philippe Duquesne est là. Philippe Duquesne qui commence ce soir. Oui, ce soir. Exactement. Une pièce de théâtre. Les autres de Jean-Luc Grimbert, le grand Jean-Luc Grimbert. C'est une mise en scène de Jean-Louis Benoît. Vous êtes avec Nicole Max, Pierre Cuc, Stéphane Robles et Anthony Cochin, c'est vrai? Exactement. C'est quoi cette pièce, Fifi? Eh bien, en fait, c'est quatre petites pièces de Jean-Claude Grimbert. Jean-Claude. Qui ont été réunies. Voilà, et c'est finalement, on voit évoluer une famille, c'est-à-dire le père, la mère et les deux fils. Alors, dans différentes situations, ça commence par un cauchemar dans la chambre du père et de la mère. Ensuite, on les voit en vacances. Ne dites pas tout. Dans cette pièce, Les Autres, qui est au théâtre de l'Épée de Bois, à la Cartoucherie de Vincennes, jusqu'au 23 décembre. Voilà. Cette musique... fait partie du spectacle, effectivement. Vous dansez là-dessus? Non, pas du tout. Non, c'est comme des petits intermèdes entre les petites pièces. Pourquoi vous ne dansez pas, Philippe Duquesne? Là, maintenant, tout de suite, en direct? Non, vous avez beaucoup. Vous avez un point commun, Edmond Kélif et Philippe Duquesne, c'est la compagnie Deschamps-Macaïev. Vous vous êtes rencontrés sur les tournées de Jérôme Deschamps, les chiens que les gens se rappellent très bien, qui étaient à la télévision. Oui, on a tourné ensemble plusieurs années. Oui. Voilà, et on s'est bien amusé d'ailleurs. C'est une belle ville, les tournées de théâtre, non? Oui, c'était une très belle ville. Oui, oui. Quel spectacle vous avez tourné ensemble? Le défilé, on a fait. Le défilé. On a bien ri. On a bien ri. Moi, j'étais venu sur les pieds dans l'eau à Avignon aussi. Oui. Et puis, on a fait beaucoup de sketchs. Vous, Philippe Duquesne, vous arriviez du nord, de Dunkerque? De Béthune. De Béthune. Et comment vous êtes retrouvé chez Deschamps? Ben en fait, après mon bac, je suis allé à Paris, j'ai fait une école de théâtre. Oui, pas du tout un milieu de comédien, hein? Ah, pas du tout, non, absolument pas. Et puis, j'avais repéré le théâtre que faisait Jérôme Deschamps, et ça me plaisait beaucoup. Donc vous arrivez, comment il y avait des auditions chez Deschamps, c'était quoi? Non, c'était sous forme de stage. Oui. Et puis voilà, au bout de... Il avait la chance de faire des stages tous les 2-3 ans pour renouveler son équipe. Et il gardait, c'est ça. Sur vraiment 100 personnes, il en gardait une, hein, vraiment une ou deux. Oui, peu, oui. Moi je l'avais fait au conservatoire, toi tu l'avais fait quelques années avant. Oui. Et après il gardait une personne, il faisait le spectacle que tu avais démarré sur les Frères Zénith, c'est ça? Sur Lapin Chasseur. Lapin Chasseur, Lapin Chasseur, formidable. Grand spectacle. Où on voyait à la fois, la première partie, on voyait la salle de restaurant, et ensuite ça tournait, on voyait ce qui se passait dans les cuisines au même moment. C'est ça, c'est les gens qui changeaient de place, nous on jouait le même spectacle. Moi j'étais fasciné par le sanglier qui avait du côté de la salle et de l'autre côté en cuisine qui était un peu... Oui, ben, vous voyez son derrière. Son derrière, dis-le. Je trouve ça très courageux de votre part d'évoquer le derrière du sanglier.